réseau, elle a eu le visa et elle devait aller être docteur. Oh mon Dieu, paix à son âme. Que le Seigneur donne la force à sa famille de pouvoir accepter. Parce que ce n'est pas facile, je vous assure, la famille. Ouais. Alors la famille, salut à tous et bienvenue encore sur Jésus News TV. Une fois de plus, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner sur Jésus News TV pour mes amours de Facebook. N'oubliez pas de nous suivre sur Miss Congossa International sur Facebook. Je vous aime comme toujours. Aujourd'hui, nous allons parler de cette jeune fille nigériane, oui, qui a eu le visa pour l'extérieur du pays en tant que docteur. Elle devait aller travailler. Et quelques jours avant son départ, voilà ce qui se passe donc. Et selon les réseaux sociaux, elle a tweeté. Je vais juste lire ce qu'elle a tweeté et lire aussi ce que ses copines, ses amis ont dit sur Twitter. Voilà alors cette jeune fille au nom de Chinelo, elle dit ceci. Suis dans un train. J'ai été tirée. S'il vous plaît, priez pour moi. Elle a écrit ça le 28 mars 2022. Aux environs de 21h, si je ne me trompe pas. Maman, les gens de Twitter, vous connaissez toujours, il y a certaines personnes, je ne sais pas comment, ils doivent prendre les choses au sérieux. Quand quelqu'un fait un tweet comme ceci, c'est à vous de commencer à dire, ouais, tu es où? Bon, pour chercher même un peu des solutions. Les gens ont commencé à lui tirer. Oh, maman, tu restes jusqu'à tu écris les choses comme cela. Eh, tu es où à là? C'est d'abord quoi? Maman, les gens ont commencé à lui laver sur Twitter. Il fallait voir les gens qui tweetaient, maman. Que maman quitte là-bas. Vous me faites les marches, ceci, cela. Les gens ont parlé sans connaître que, en réalité, cette fille avait besoin d'aide, s'il vous plaît. Hein? Même si nous sommes les Africains, même si ce n'est pas africaine, quand tu dois être humain là, tu vois un tweet ou bien tu vois quelqu'un qui a besoin de l'aide. Si tu ne peux pas aider cette personne, c'est mieux rester tranquille que de dire des mots que je ne sais pas. Même la famille de cette fille, si elle reste sur les médias, peut-être ils voient les tweets que les gens ont fait en disant comment, oh, peut-être elle était sur telle place, oh, elle n'avait pas besoin d'aide, oh, les jeunes filles d'aujourd'hui, oh, ceci, cela. Sans connaître qu'elle était dans une situation qu'elle avait besoin d'aide, vous voyez? Et alors, je vais lire ce que ses copines, ses amis ont dit avant de continuer. Je viens de me réveiller avec une triste nouvelle. Mon ami aussi vient de se réveiller en perdant un ami proche qui s'est fait tirer lors d'un accident du train Abuja Khan ou pas des terreaux. Elle a tweeté hier que nous devrons prier pour elle. Malheureusement, elle n'y est pas parvenue. Elle était docteur au Nigeria. Oh, j'ai le cœur brisé. Waouh, elle n'a pas survécu. Une femme à côté d'elle aussi n'a pas survécu. Waouh, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Sa copine dit ceci. Le docteur Chinelo gagnait sa vie honnêtement. Elle travaillait à l'hôpital de Saint-Gérald de Kaduna. Elle n'en voulait plus pour elle-même. Waouh, et triste. Voilà alors. Elle a fait ses papiers pour quitter ce pays. Elle a démissionné le mois dernier pour quitter le pays ce vendredi. Puis c'est arrivé. Oh, le Nigeria, pourquoi? Pourquoi? C'est ce que sa copine écrit là. Vous-même, vous voyez. Donc ce vendredi, si là, elle devait voyager. Et voilà alors, mon Dieu. Tu as ton enfant, peut-être tu envoies ton enfant à l'école. Elle finit l'école. Tu es déjà fier que voilà, voilà, elle travaille déjà. Bon, tu es aussi fier que bon, je commence à manger ou bien mon enfant commence à me donner même le savon pour laver les habits. Et alors j'entends, oh, ton enfant a eu le visa pour aller dans tel pays, être docteur. Et vous connaissez qu'on paye toujours bien à l'extérieur, oui. Tu es aussi fier que, hey, enfin, le Seigneur a écouté à mes prières. Et un jour, boum, tu te lèves avec ce genre de message, vraiment. La famille, ça touche, je vous assure, ça touche. Que vraiment le Seigneur console sa famille, parce que je sais, ce n'est pas facile. Et alors, il y a certaines personnes, les gens qui disaient que, oh, ce qui est sûr, elle veut juste le buzz. Et les gens, si là, ils aiment toujours le buzz. Donc, quelqu'un va se lever une nuit comme cela, à 21h passée, et dit que, voilà, priez pour moi. On m'a fait ceci dans un train. Et vous allez dire que c'est le buzz, bon. Vu que la majorité de nos jeunes aujourd'hui aiment faire le buzz, mais il y a certaines situations que vous-même, vous allez regarder comme bon. Si cette fille,
Est-ce qu'elle a l'habitude de faire les choses comme cela? Est-ce que vous allez vous poser les questions avant de commencer à dire certaines choses sur les réseaux sociaux? Oh non, ce qui est sûr, c'est qu'elle allait quelque part. C'est le genre de fille qui va. Vous commencez déjà à dire, maman, il fallait voir les commentaires de ça. Ah non, 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 non. Le monde est si vraiment. Ah Seigneur Jésus. Et puis quand j'ai vu ça, vraiment, j'étais touchée. J'ai dit, ouais, sa famille alors. Sa famille, alors, s'ils voient même les messages que les gens ont laissés à gauche et à droite. Non, 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 Seigneur Jésus. En tout cas, la famille, c'était juste pour vous passer ce message que voilà ce qui s'est passé après qu'elle a eu son visa pour l'extérieur du pays, oui. Elle devait alors, vous connaissez comment on paye quoi en tant que docteur. Ça alors là, sa maman devait dire, « Oh, ma fille, oh, enfin, enfin. » Et voilà ce qui s'est donc passé. Vraiment, que son âme repose en paix. Ça nous amène à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de partager. Je vous aime comme toujours. Et bisous à tous. Some silly blog, whatever she's called, I don't even want to mention her name, okay, or his name, I don't know, he's running that silly blog, that stupid traffic blog, that should be regulated. In fact, this is the reason why the federal government wants to regulate social media. For people like that blog, that feels they can just wake up in the morning and touch people's image, however they want it. How can you come and tell lies about me while I'm still alive? I'm not dead. I can defend myself. All the things you wrote on your stupid low traffic blog are all lies. Are all lies. What kind of unprofessionalism is that? I did not do anything like that. I have never, ever, and I'm not as demonic as you painted me out to be. Okay? I was never best friends with Empress. I was never behind Empress and Timaya's breakup. I don't know anything about it. But this blog, or this blogger that is looking for traffic for her page, that wants to use me to trend, has painted me black. Has painted me as the demon in a Cinderella story. Please, keep my name out of your mouth. Keep my name out of your mouth. I am in my lane. I am actually a contented person. I am content with the way life has... What the universe has given me, I'm content with my life. I don't look for trouble. I don't meddle in people's